Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo découverte aujourd'hui. On s'arrête sur Dirt Rally une nouvelle fois. Le titre de Codemasters vient de recevoir sa version 0.9 avec eh bien, des améliorations, des patchs, des fixes et surtout du contenu. 4 nouvelles voitures font leur entrée sur le jeu avec eh bien, 2 WRC des années 2000. Vous en voyez une à l'écran, la Ford Focus avec le skin de Marcus Grönholm. La C4 avec laquelle eh bien, Sébastien Loeb a remporté plusieurs titres de champion du monde. 2 autres voitures viennent dans une nouvelle division qui s'implémente également dans le titre avec la division RX qu'on pourrait qualifier entre autres de groupe N si vous voulez un petit peu. Avec eh bien, une Mitsubishi Lancer Evo 10 et une Subaru Impreza STI Compact. Ces voitures vont vous être présentées dans cette vidéo. Vous allez avoir une spéciale réalisée avec chacune des voitures avec un petit niveau tout de même parce que eh bien, ce Dirt Rally a complètement changé de physique avec ces nouvelles divisions. On parle notamment de beaucoup plus de ressenti du grip et il est vrai que ceux qui se plaignaient du côté eh bien, savonnette et manque de sensation du terrain dans le force feedback ou dans leur volant eh bien, ne vont plus avoir de quoi se plaindre avec cette version 0.9 qui eh bien, a reçu pas mal de nouveautés. Je vais vous les lister rapidement. Donc le rallye de Finlande qui était apparu lors de la dernière build eh bien, a vu le recalibrage des notes du copilote être réalisé. Le déblocage de certains succès a été patché parce que vous arrivez de réaliser certains exploits qui n'étaient pas récompensés. Le curseur de la souris se masque après un certain temps lorsqu'il n'est pas utilisé dans les menus. Bon, la navigation à la souris reste encore très très moyenne dans les menus et on finit par craquer et on s'occupe de naviguer avec son clavier et son volant uniquement. Ajout eh bien, de la distance de chacune des spéciales ainsi que le dénivelé dans les détails du parcours en plus de la météo, vous savez quand vous sélectionnez votre spécial. L'utilisation manuelle des phares. Soyez attentifs parce que vous ne pouvez faire que des appels de phares. Donc à moins de faire plaisir aux photographes sur le bord de la route, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'intérêt. Peut-être qu'en rallycross, pour vos adversaires, ça peut les déconcentrer, mais c'est plus déconcentrant qu'un petit jouet. Les essuie-glaces sont également activables manuellement, nouveauté. Personnellement, j'ai pas vu trop de choses à ce niveau-là. J'ai pas vu. C'est surtout quand il pleut, quand il fait sec, vous appuyez, vous n'avez pas de réponse de la part du bouton. Grosse chose qui va faire plaisir à certains utilisateurs de la vue première personne, donc celle où vous êtes dans les yeux du pilote. L'animation du volant in-game correspondra maintenant à celle de vos mains sur le volant, donc peu importe l'angle de braquage. Mais pour savoir activer cette option, il vous faudra tout simplement retirer l'affichage des mains du pilote in-game. Et à ce moment-là, le volant tournera avec les peut-être 540 ou plus degrés que vous utilisez. Les dégâts qui ne sont pas réparés entre chaque spécial d'un rallye complet pourront s'aggraver au fur et à mesure des spéciales. Ce qui veut dire que partir avec une spéciale, dans une spéciale, avec une voiture qui n'est pas au top, vous risquez de le payer par un abandon. Et enfin, la possibilité de régler la position du siège avant, arrière, haute et basse, ainsi que l'angle, ce qui se fait notamment dans Project Cars et Assetto Corsa. Et bien enfin, on a le choix de replacer un petit peu sa position. Bon, vous avez vu quelques plans de différentes voitures. Vous avez vu la Ford Focus. Vous voyez actuellement une C4 WRC. Soyez vigilants, les skins que vous voyez dans cette vidéo sont des skins téléchargés sur le site racedepartment.com et je vous mets tout ça dans la description pour bien évidemment vous en faire profiter, c'est tout à fait gratuit. Mais sachez qu'à la base, on va dire 90% des skins du jeu sont des couleurs unies. Voilà, je vous laisse profiter de ces spéciales très rapides, notamment ici avec une spéciale que je me suis régalé à faire. On prend vraiment un pied monumental avec cette nouvelle physique de ces nouvelles divisions. Amélioration également apportée au groupe A et B. Et on sent vraiment beaucoup plus de grip et de limite d'adhérence avec les pneumatiques. C'est vraiment une update qui fait du bien à Dirt Rally et qui va faire taire quelques têtes. Si vous souhaitez vous-même eh bien, tenter l'expérience Dirt Rally pour un petit peu moins cher que sur Steam à l'occasion, ça se passe dans la description avec gamesplanet.com. Le lien vous permettra d'acquérir le titre sur Steam. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces petites explications et je vous laisse avec les plans des différentes voitures pour profiter également du son de ces nouveaux bolides. Salut les amis, bon amusement en piste et à bientôt. S'ouvre 100. Gauche 4 sans coupé, milieu après jonction, rocher extérieur. Et gauche 5 sur droite 4. Thank you.
droite 6, sur droite 4, ferme sur 3. Sur gauche 5, long, ferme sur 4. Et droite 2. Serré à gauche sur crête. Droite 6. S'ouvre 100. Semi-long. 80 sur crête. Gauche 4, long, 100. Serré à droite sur crête, 80. Droite 6, long, 60. Attention, gauche 4, semi-long, glissant. Gauche 4. Et attention, droite 6. Sur épingle gauche. B. Et droite 4, long. Sur attention, gauche 6, sans couper, crête. Droite 3, ferme sur 2, 80 sur crête. Et droite 5, gauche 6, droite 6, semi-long sur crête 80. Crête, gauche 1, semi-long 100. Route gelée à partir de... Gauche 5, 60. Gauche 4, long sur crête, continue 80. Et continue. Sur gauche. Attention, droite 6, long dans descente, freinage. Droite 6, long sur gauche 6. Et droite 3, longue crête. Droite 6, 80. Gauche 5, long, corde. Et droite 4, longue, 80 sur crête. Gauche 4, longue crête. Semi-long 60. Virage droite 1 sur. Droite 6 long 100. Gauche 4 semi-long sur crête 100. Continue en descente. Petite crête, 40 à...
descente. Gauche 5 sur crête possible. Attention, milieu sur grand saut. Gauche 3 semi-long s'ouvre sur crête, 80. Droite 5 long sur 2 petites crêtes, 100. Attention, gauche 4 sur crête, possible saut après jonction. Droite 5 long sur crête, possible saut. Ligne droite en descente. Sur la crête.